Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mini-techie. Et donc aujourd'hui, comme je vous en avais parlé vendredi dernier, je vous mets la vidéo au-dessus. Aujourd'hui on va parler des fers, un sujet assez épineux dans le monde du cheval, où chacun a son avis, chacun a son expérience. Je vais vous dire dès le début de cette vidéo que j'ai pas une formation sur les pieds des chevaux, j'ai juste mon expérience en tant que propriétaire et quelques notions par rapport à ça. Mais voilà, après je vais vous partager votre avis bien sûr en premier, essayez de vous partager aussi ce que j'ai lu dans les recherches, comment moi je fais avec Cali. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre expérience à vous, s'il y a des choses que j'ai dites que vous pensez pas juste ou qui pourraient être dites autrement. N'hésitez pas, je le prends pas du tout mal, au contraire. Je préfère que vous corrigez peut-être des erreurs ou une formulation dans les commentaires et que ce soit gentiment dit, que justement on laisse des choses fausses, que c'est pas du tout mon but. Donc voilà, n'hésitez pas à dire votre avis et à commenter sous cette vidéo. Donc on va commencer comme d'habitude par vos avis à vous. Tac tac tac, voilà, alors j'avais mis la question, j'avais mis les fers, votre avis, votre expérience pour, contre. Donc, my is my way, pour quand le cheval en a besoin, sinon si on peut les laisser tranquilles c'est très bien aussi. Noon 08, pour ma jument est beaucoup mieux avec. Enora 5656, non, si le cheval est tout près, très rarement. Oui, si cela le soulage. Pauline Eki, je trouve ça très bien parce que ça protège la fourchette. Daisy 06467, contre, je trouve perso que ça ne sert à rien. Oreo le chien, contre, ça empêche la fourchette de jouer son rôle de pompe et donc fatigue le cheval en plus, ça fait des résonances à chaque pas. Levron 70, tout dépend si ton poney en a besoin ou pas. Perso, je suis pour. Watermelon 2, pour. Gwen LZY, ça dépend de chaque cheval, mais pour s'il a toujours été habitué et il est boiteux sans. Inès 1604, assez galère, ma jument en avait et elle les perdait souvent. Depuis qu'elle est pieds nus, nickel. Lilo Haricot 1, à la fois pour ça amortit le sabot. Jade FTN 21, je suis ni pour ni contre, ça dépend du besoin des chevaux. Il y en a qui sont mieux sans, il y en a qui sont mieux avec. Lisa Pinol, contre si le cheval n'en a pas besoin, pour s'il en a besoin. Cadre SN, ça dépend d'où on vient avec le cheval. Le fer est fait pour pas user le sabot, avec une question. En question. Deux amours de pour, à condition que ce soit pour de bonnes raisons et que ce soit pas trop régulier. Flavie RD, chevaux, pour moi, pour des chevaux c'est inutile, pour d'autres c'est indispensable, perso il en a pas. Léo DHL, ça dépend, ma jument est ferrée, des antérieurs seulement et tout va bien. DP Mathilde, pour moi c'est pas question d'être pour ou contre, l'important est de respecter le bien-être du cheval. Tenny Blackie, je suis contre en général puisque ça n'amortit aucunement les chocs, ne permet pas au pied de bien fonctionner, la fourchette c'est d'amorti naturel et le fer est souvent utilisé plus par norme que pour une réelle raison qui comble un besoin impossible à combler par un parage et les autres ferrures non fixes comme des fers en plastique ou les hypo-sandales. Donc voilà un peu vos avis, franchement il y a plein de notions qui sont dites dans vos réponses et il y a une réponse qui est dite justement, je suis ni pour ni contre, au final ça va être aussi moi ma réponse, même si pour moi quand même ça se réfléchit vraiment et comme ça a été dit, faut pas, vraiment pas choisir les fers par norme, je ferme mon cheval puisque bah, la moitié des chevaux sont ferrés et encore je pense que c'est même plus trop le cas maintenant, vraiment... Essayez d'avoir les bonnes raisons, des raisons que je vais vous donner, des explications, des avantages, des inconvénients, etc. Je vais essayer de vous partager un maximum pour que vous arriviez à connaître un peu les raisons. À quoi ça sert de ferrer un cheval? Il y a une fonction orthopédique. Le pied peut avoir besoin d'être réorienté, rééquilibré s'il y a un défaut d'un plomb.
ou il peut aussi avoir une fonction de performance, car certaines disciplines nécessitent une ferrure particulière pour la protection, pour éviter l'usure, comme antidérapant ou au contraire glissant. Par exemple, je vous en ai parlé là, dans la minute qui sait tout, pour l'équitation western, dans les certaines épreuves, le but c'est vraiment plutôt qu'il glisse. Donc voilà, là ça peut être dans ce cas-là glissant ou amortissant. Donc pour choisir entre le parage ou le ferrage, ça dépend des conditions du cheval et du point de vue du cavalier. En fait, le problème qui se fait surtout avec le fer, c'est que on veut protéger le pied du, on veut protéger le pied, éviter l'usure. Et pour le cavalier, aller sur différents terrains, etc. Et donc on se dit, il faut ferrer. Le problème, c'est que dans cette optique-là, certes on le ferre, mais du coup, il perd sa sensibilité puisqu'il n'est pas directement au contact du sol. Donc du coup, ça va faire un cheval beaucoup moins sûr, avec le pied beaucoup moins sûr. Il va, comme il va pas sentir vraiment où il marche, il peut vraiment vous, ça peut devenir dangereux pour vous et pour le cheval. Et autrement, une autre dérive, c'est que par exemple en concours, enfin pour une discipline particulière, il peut aller au-delà de ses moyens puisque il n'est plus à l'écoute de son corps. Par exemple, pour sauter une barre, il va pouvoir, il va peut-être croire qu'il est capable de le faire et donc se pousser à le faire. Mais parce qu'il a des fers, il aurait été fini, il l'aurait pas fait. Et le problème, c'est que à se dépasser toujours, et ben ça va provoquer des problèmes au niveau des tendons, des articulations, des os. Et c'est là que justement un cheval ferré va plus facilement des fois se blesser qu'un cheval pieds nus, notamment par exemple pour les fractures, etc. Tout ce qui se situe au niveau de la jambe et du pied du cheval. Et justement, c'est par parfois ce dépassement d'eux-mêmes qu'ils font parce qu'ils se pensent capables, enfin du moins. Qu'ils font puisque justement ils ont plus cette sensibilité, donc par exemple à la réception d'un saut, et ben ils vont pas ressentir la même chose que s'ils auraient été pieds nus, mais pourtant l'impact est bien le même et peut même être pire. Et également il faut savoir que comme nous finalement, je sais pas si vous avez un peu ces notions là, mais en région de notre pied en fait correspondent à une partie de notre corps. Et donc pour les chevaux, il faut dire que c'est pareil niveau ostéopathique, des fois ça peut être le cas. Peut donc avoir des fois des déséquilibres alimentaires ou ostéopathiques pour un cheval pieds nus, mais par exemple, mais parce que, et donc du coup on va pouvoir ferrer, mais le problème c'est que en fait ça règle pas le problème à la source, puisque même si on ferre le pied, en fait le pied c'est juste comment dire, un symptôme, une réponse à un problème plus haut dans le corps. Le pied n'est pas la source, le pied en fait c'est la réponse du symptôme, en fait c'est le symptôme pour montrer qu'il y a un problème. Donc en fait ferrer n'est pas du tout la solution, puisque vous ne réglez pas le problème de base qui peut se situer beaucoup plus haut, dans les dents, dans le dos, enfin voilà. Enfin je pense que vous comprenez. Et donc du coup, pour dire est-ce qu'on doit ferrer ou non, en fait il faut s'adapter aux conditions du cheval. Un cheval qui vit au pré, qui vit sur des parties du pré qui sont plus boueuses et d'autres qui sont un peu plus avec des cailloux, un peu plus de caillasse, et ben bien sûr son pied, sa corde va s'habituer à ce terrain et donc il va avoir une corde beaucoup plus résistante et devenir beaucoup moins sensible. C'est comme nous quand on marche sur le dehors, il y en a qui ça leur dérange pas du tout de marcher sur des cailloux du pied, alors que pour d'autres c'est vraiment très très désagréable, et même ça leur fait vraiment, c'est vraiment douloureux. Donc ça c'est pareil pour les chevaux, mais parce que par exemple vous n'êtes pas du tout habitué à marcher nu-pied, et ben un cheval ce sera pareil. S'il est habitué à être au box, et ben et que vous quand vous sortez du box, vous partez en balade et directement vous mettez, il arrive sur des chemins en cailloux, bien sûr il va peut-être boiter ou montrer que c'est très sensible pour lui. Donc là peut-être que du coup vous allez devoir le ferrer. Et un problème, la ferrure peut être aussi importante dans le cas où si les box sont pas changés régulièrement avec l'urine qui contient de l'ammoniaque, et ben ça peut provoquer la pourriture de la fourchette. Donc du coup le fer permet que le sabot soit pas directement en contact avec le sol du box. Et c'est pour ça que si vous avez un cheval en box et qu'il est pieds nus et que tout se passe bien, faites attention juste à ce point là du coup à bien entretenir le box pour ne pas devoir ferrer son cheval parce que le box n'est pas entretenu. Ce serait quand même dommage, mais c'est vrai que une fourchette pourrie, ramollie, qui perd de qualité, c'est pas top non plus. Donc voilà,
faut le prendre en compte. Et c'est vrai que même moi là je peux partager ce point de vue, mais en fait, faut que, et c'est quelque chose qu'on a du mal à, mais en fait faut qu'on se rende compte que pour n'importe quel cheval, tous les sols sont accessibles. En fait, ce qu'il faut, c'est lui laisser le temps de s'adapter au sol, à tous les différents sols, et ne pas se dire « Ah bah non, je vais souvent sur le bitume, mon cheval va pas aimer, du coup, faut que je le fasse. » Il peut s'habituer. Et une fois qu'ils sont habitués, ils montrent plus de gêne ni de douleur, puisque justement, leur pied s'est habitué et s'est adapté à ce terrain. Du coup, là, si on dit « Bon, d'accord, alors il faut éviter de ferrer », pour justement éviter de ferrer pour la sensibilité de pied, pour du coup oui, pour la perte de sensibilité et du coup mettre en danger son cheval point de vue santé puisqu'il va se dépasser et ne pas connaître ses limites. Aussi puisque finalement on peut laisser un cheval pieds nus puisqu'il est capable d'aller sur tous les terrains, il faut juste laisser le temps de s'habituer. Et ne pas faire de conclusions trop hâtives et hop, de se dire bah non, là mon cheval faut qu'il soit ferré parce que ce sera trop douloureux pour lui. Et donc, du coup, on va se dire bon, alors donc, du coup, on ferre pas, on part. Et il y en a beaucoup, et c'est vrai que j'en entends de plus en plus parler, il y en a beaucoup qui parlent du parage physiologique. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo dédiée à ça et que moi j'améliore mes recherches là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre le parage et le parage physiologique. Le travail va être complètement différent. Mais déjà, en tout cas, essayez de vraiment vous demander, en fait la question là qu'il faut vous demander, c'est pourquoi je ferme mon cheval? Quelle est la raison? Est-ce que j'essaierai pas de laisser mon cheval pieds nus? Ou de faire la transition? Enfin, si votre cheval il est au pré, etc., essayez peut-être de faire la transition. Peut-être qu'au début il va être un peu boiteux, il va montrer qu'il est douloureux. Donc là, le mieux, je pense, ce serait de ne pas trop lui en demander, bien sûr, de pas trop vite lui demander d'aller sur des terrains variés. Et prendre le temps, lui laisser le temps, et si vraiment c'est pas possible et il reste boiteux trop longtemps, bah, bien sûr, de voir avec son maréchal préférant, etc. Mais. Vraiment, le parage et en tout cas enlever la ferrure, ça a que du bon. Enfin, ça a vraiment du bon pour les chevaux. Après, je reste ouverte d'esprit. Si un cheval en a vraiment besoin, oui, bien sûr. Hein. Par exemple, en boxe, ça peut être important. Parce que voilà, faut pas oublier de toute façon qu'à la base, le problème vient de nous. Si on est obligé de ferrer nos chevaux, c'est de notre faute. Puisque finalement, on les emmène sur des terrains variés, mais vraiment variés, et on les sollicite beaucoup. Donc, alors que dans les conditions naturelles, certes, ils marchent beaucoup, ils vont aussi sur des terrains variés, mais pas aussi quotidiennement que, par exemple, une fois toutes les semaines, ils vont en balade, enfin, ou par exemple, d'aller sur des terrains en sable, des terrains, enfin, voilà, des terrains en herbe, etc. Ça n'arrive pas dans le quotidien d'un cheval au naturel, ça n'arrive pas aussi fréquemment. Et par exemple, un cheval en boxe, normalement, un cheval est fait pour se déplacer toute la journée. En boxe, il bouge pas, donc c'est sûr que là encore, on change sa façon de faire. Du coup, comme souvent au final, ce qu'on, en fait, on règle des besoins, enfin, on essaye de camoufler des besoins que l'on a provoqués, puisque finalement, on a domestiqué le cheval et au naturel, il n'y aurait pas besoin de faire. Ils se débrouillent très bien et peut-être que leur fourchette, leur sabot se porterait. Aussi bien que n'oubliez pas que vraiment à chaque fois que finalement nous des fois on que l'action humaine en fait répond à un besoin que nous avons provoqué finalement, et donc vraiment essayez toujours de vous poser la question qu'est-ce qui est le mieux pour mon cheval et pourquoi, pour quelle raison je fais les choses et pas parce que un tel fait ça que moi aussi. Pareil pour ferrer, il y en a. Par exemple au pré, si vous êtes obligé de ferrer un cheval, si vous êtes obligé, je dis bien, c'est même pas si vous le voulez, parce que c'est pas à vous de vous dire oh, bah si moi je préfère un cheval ferré rien que pour le bruit que ça fait sur le bitume, enfin voilà, c'est vrai que ça fait un bruit qui est assez agréable. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas reparlé de ça, mais en effet ça provoque aussi énormément de résonance, mais énormément apparemment dans la boîte crânienne du cheval. Et j'imagine bien des fois des balades très longues sur le bitume, ce que ça peut leur engendrer dans la tête pour ceux qui sont ferrés. Donc comme quoi des fois, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'adorais entendre, les bruits des sabots sur le bitume. Mais je vous promets que depuis que j'ai fait mes recherches et que je connais les fréquences et les vibrations que ça fait dans le cheval,
dans la tête du cheval, je vois plus du tout ça de la même manière. Donc comme quoi vraiment en faisant des recherches on se rend compte que voilà, faut toujours rester à l'écoute de notre cheval. Et par exemple moi tu vois, ce petit plaisir là, bien sûr je vais pas faire écali pour ça, mais dans le but que je veux vous dire qu'il faut rester ouvert d'esprit et surtout vous dire qu'est-ce qu'a besoin mon cheval, le mien, dans le quotidien, dans ce que je lui demande à lui. Et pour en venir au point que je voulais dire, que si votre cheval est au pré et que vous êtes obligé pour le bien-être de votre cheval de ferrer, essayez plutôt de ferrer que les antérieurs par exemple pour éviter de ferrer le postérieur, puisqu'il se botte quand même assez facilement, il rue, etc. Et ça peut être très dangereux pour les autres chevaux autour. Donc voilà, il y a des solutions. Et autrement, si vous voulez, voulez pas ferrer votre cheval, mais vous pouvez pas non plus que le parer, il faut quand même qu'il y ait quelque chose entre, puisqu'il est quand même assez sensible. Ou par exemple parce que avant il était ferré et maintenant vous avez envie de les faire et vous êtes dans la transition pour l'aider. Par exemple quand vous partez en balade les premiers mois, il existe maintenant par exemple les hipposandales qui peuvent être une très bonne alternative pour faire encore une protection. Mais les hipposandales, je vais vous mettre une photo là. Ça peut s'enlever et se remettre, ça coûte cher. Ça aussi ses points positifs, ses points négatifs, mais quand même pas mal de points positifs faut le dire. Et le fait justement que ce soit que temporaire, que ça peut aider le cheval, mais que après ça puisse s'enlever un peu comme des chaussures finalement, c'est vraiment positif. Donc voilà, essayez de penser sinon aux hipposandales. Et par exemple moi un truc tout con, mais par exemple quand je pars en balade avec Cali, souvent ce que je fais quand par exemple on est dans un chemin où au milieu d'un chemin il y a des graviers, entre les deux c'est un peu humide, par exemple c'est là où les roues passent des fois, des tracteurs etc, et sur le côté il y a l'herbe, ben, qu'est-ce que je fais, je me mets à serrer la longue et c'est Cali qui décide où elle va aller. Et je pense, sans dire qu'elle va aller parce qu'elle va aller sur l'herbe pour aller brouter, non, mais vraiment si des fois au final je lui laisse aller où elle veut, elle reste sur les cailloux. Et des fois je le sens qu'elle a besoin, par exemple qu'on est au bord d'une route, de vraiment se rester dans l'herbe. Et on sent que c'est pas agréable pour elle de rester sur le bitume. Donc voilà, je reste à son écoute. Et si des fois elle veut rester sur le bitume, elle y reste. Bon, voilà, peut-être que c'est que ça ne la dérange pas. Essayez vraiment de prendre du recul sur la chose, de voir les côtés positifs, les côtés négatifs, de demander conseil à des professionnels et d'essayer de faire vos recherches, de trouver vraiment les raisons, les inconvénients, ce que ça peut provoquer, mais ce que ça peut permettre aussi. Donc voilà, essayez de trouver le bon compromis pour votre cheval, tout simplement pour votre cheval. Et c'est ce que vous pourrez faire de mieux pour lui. Je pense que vous prendrez la bonne décision. La semaine prochaine du coup je vous propose de parler des éperons. J'ai envie vraiment de moi faire mes recherches là-dessus et de savoir quel est votre avis dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des éperons, si vous en avez utilisé, quelles sont vos expériences avec, votre avis, si vous êtes pour, si vous êtes contre, dans quelle mesure, dans quelles conditions, etc. Je vous dis du coup à vendredi pour la prochaine Minute Equine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Salut !